Salut, on est lundi 5 juillet, il est largement le temps de démarrer ce vlog de juillet. Le mois a bien démarré, à vrai dire, avec les retrouvailles des apéros tricots, c'était trop chouette. À la base, je voulais organiser un pique-nique, mais avec les orages, ça s'est transformé en restaurant, en petit comité, et c'était quand même hyper sympa de se retrouver, de tricoter tout ensemble et tout. J'ai hâte d'avoir ouvert la mercerie pour pouvoir faire ça plus souvent et sans se prendre la tête sur le lieu. Donc voilà, c'était bien sympa. Et à part ça, comme je vous disais dans le vlog de juin, on s'est fait une petite liste des choses qu'on aimerait bien boucler avant de partir en vacances début août et surtout avant d'ouvrir la boutique. Donc c'est-à-dire des travaux à la maison, enfin des travaux, beaucoup de rangement et de tri. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà. Et sinon, j'ai passé le week-end à aider des amis qui eux vont bientôt emménager dans un appartement et qui avaient besoin d'un petit coup de main pour peindre. Donc je suis allée leur filer un petit coup de main pour les aider à finir la peinture. Voilà, et puis deux, trois petites sorties par-ci par-là, donc c'est sympathique. Je sais pas trop à quoi va ressembler le mois de juillet, parce que là on va arriver dans la dernière ligne droite de la création d'entreprise. Et je pense que entre ça et jongler avec le boulot qui n'est pas encore tout à fait fini, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps pour coudre, tricoter, etc. Donc bon, je vous emmène quand même avec moi, on verra. Ça fera peut-être un vlog plus light, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de continuer à filmer tout ce qui est intéressant, intéressant, entre guillemets. Pour vous emmener avec moi en balade. Et puis voilà. Là, on est lundi, il fait gris et ça tombe bien parce que de toute façon, on va passer la journée à faire du tri et des allers-retours à la déchetterie. Donc, pas très passionnant. C'est pas plus mal qu'il fasse pas très chaud. Voilà. Allez, j'y retourne et je vous dis à tout vite. Samedi 10 juillet, il est 7h05 du matin. Je suis à la radio, c'est ma toute dernière matinale de ma carrière, donc je vous cache pas que ça va pas me manquer de me réveiller à 5h du matin. Je suis en week-end à partir de ce soir. Là, avant, je vais accompagner les gens qui partent en week-end, voilà. Je parle avant le flash trafic. Donc voilà, j'attaque la dernière ligne droite à la radio là. Ça fait bizarre. J'ai pas fait grand-chose ces derniers jours. C'est pour ça que je vous ai pas vraiment filmé de choses. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. Là, je suis vraiment dans la dernière ligne droite avant la fin de la radio et le début de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup enchaîné les rendez-vous. Comme je vous le disais la dernière fois, je me suis fait une liste de choses que j'aimerais bien terminer dans la maison avant qu'on attaque la boutique. Et du coup, j'ai surtout fait ça, du rangement, des choses comme ça. Donc pas forcément très passionnant à vous montrer. Pas du tout de couture, très peu de tricot. Mais c'est pas grave, il y a des priorités qui sont ailleurs. Je vous avais prévenu de toute façon que ce vlog de juillet serait pas forcément incroyable. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va partir quelques jours avec Elia à partir de demain. On va prendre le camion aménagé de mes beaux-parents et on va partir déconnecter un petit coup, prendre 3 jours off pour changer d'air. Donc j'essaierai de vous filmer quelques petits trucs, mais je vais surtout en profiter pour déconnecter un bon coup. Parce que du coup, comme j'ai pas de rendez-vous pro cette semaine, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc voilà, mais je vous filmerai quand même quelques petits trucs. Je compte bien emmener mon tricot pour le coup et essayer de finir mon gilet. Voilà, donc ça va être l'objectif de ces jours-là. Et puis j'espère que si les choses se tassent un petit peu, puisque ça avance très très bien du côté de l'entreprise, je puisse avoir un peu de temps pour coudre
parce que ça fait longtemps et ça me manque. Voilà, bon, et ben moi je vais retourner à mon trafic qui est déjà bien chargé et je vous dis à très vite. Juillet, même si là en regardant dehors, j'ai l'impression qu'on est le 15 novembre, clairement, comme partout en France. Je reprends le travail ce matin, je suis très en retard d'ailleurs, il faut que j'y sois dans pas longtemps. Et voilà, donc là j'attaque l'avant-dernière série de travail à la radio, donc je prends à 8 heures là. Comme je vous disais, on est parti quelques jours se mettre au vert du côté de l'Auvergne. Bon, clairement. On a pris l'air, on a surtout pris la pluie. Il a fait très très moche. Après, on avait emprunté le camion aménagé de mes beaux-parents. Du coup, bah, c'était bien parce qu'on était quand même à l'abri malgré tout. Et ça m'a permis de faire beaucoup beaucoup de siestes. Je crois que le lundi, j'ai passé la journée littéralement à dormir. Et je vous cache pas que ça m'a fait du bien. Parce que si on était resté à la maison, j'aurais eu mille choses à faire et je me serais pas posée. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. On a quand même pu visiter un petit peu Vichy et c'était vraiment chouette. J'ai adoré la ville. Faudra clairement qu'on y repasse un jour où il fait beau. Et où les boutiques sont ouvertes, parce qu'on est passé hier 14 juillet. Donc forcément, tout était fermé, notamment My Shop, qui est un magasin de laine que j'aimerais beaucoup, beaucoup visiter. Et puis j'ai réussi à trouver aussi un magasin qui fait des gaufres véganes, chose que je cherche littéralement depuis 3 ans. Et évidemment, le seul jour où je tombe dessus, c'est fermé. Donc j'ai dit à Elia clairement qu'il fallait qu'on y retourne. C'est obligé, rien que pour ça. Donc je pense qu'on y repassera dans l'été si on peut, sur la route des vacances. Et puis voilà, et là je regarde le temps dehors et c'est la tempête et ça me blase complètement. Moi qui pensais pouvoir partir au boulot en vélo, là c'est mort, il va falloir que je prenne la voiture. Et voilà, comme tout le monde, je pense que j'en ai un peu marre de ce temps, mais normalement d'ici la fin de semaine il devrait faire beau. Donc voilà, j'ai bien avancé dans mon tricot par contre, donc ça c'est cool. Je suis en train d'attaquer les côtes de la première manche, donc elle devrait être finie d'ici peu. Il faut que je termine la deuxième. Et ensuite il va falloir que je me mette à échantillonner à mort parce que j'ai reçu plein de laine de la part de mes futurs fournisseurs pour faire des échantillons cet été, tester les qualités et voir ce que je choisis pour la boutique. Donc là, il va falloir que je m'y mette, même si c'est pas compliqué, les échantillons, ça peut prendre du temps. Donc c'est ce que je vais faire à mon avis pendant les vacances.
Et puis j'ai bon espoir aussi de pouvoir réussir un jour à finir ma robe poulette qui est en suspens depuis des semaines. En même temps, quand je vois le temps qu'il fait dehors, je me dis qu'il n'y a rien qui presse. Mais j'aimerais bien réussir à la terminer quand même pour pouvoir la porter et passer à autre chose aussi parce que j'ai plein d'idées de couture, de choses notamment à faire pour la boutique et à tester. Donc voilà, les projets ne manquent pas. Je vous cache pas que là, après avoir beaucoup pris la pluie pendant 3 jours, j'ai un léger mal de gorge et je croise les doigts très fort pour ne pas refaire une angine. Ce serait bien. Donc voilà, affaire à suivre. En attendant, je vais me dépêcher parce que je suis très en retard et je vous dis à très vite. Juillet, il est 8h du matin, un truc comme ça. C'est mon deuxième jour de repos, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, on attaque là les dernières lignes droites avant la fin de la radio. Donc c'est chouette, il fait enfin super beau, c'est super agréable. Mon charmant époux est parti au travail aujourd'hui et demain, il travaille donc. Donc voilà, il va falloir que je m'active un petit peu. Et je suis en train de me dire que ce vlog est complètement décousu. Je vous avais prévenu hein, que juillet ce serait pas le mois le plus passionnant parce que j'ai pas le temps de plein de choses et pourtant je suis un peu bloquée par rapport à l'avancée de la mercerie dans la mesure où pour l'instant j'attends que les choses se débloquent côté création d'entreprise etc. Donc voilà, j'ai pas spécialement cette excuse là mais comme je vous le disais, je me suis fait une liste de beaucoup de choses à finir avant de partir en vacances et surtout d'ouvrir la boutique. Donc du coup j'essaye d'avancer autant que je peux mais c'est pas évident. Dans le tri, le rangement, tout ça, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. J'ai fait un petit peu de couture l'autre jour en rentrant du travail et j'ai pu avancer un peu dans ma robe poulette. Il me reste plus grand chose à faire, je crois qu'il me reste l'ourlet, donc ça va, mais j'avais la flemme d'allumer le fer, on allait manger et j'ai pas eu le temps. Donc l'ourlet ça va aller assez vite et les pattes de. Pas les pattes de boutonnage, les boutonnières. Voilà, je vous en reparlerai dans le podcast parce qu'il faudrait quand même que je vous tourne un podcast un jour. J'ai pas tout compris dans les explications, notamment pour terminer les pattes de boutonnage, donc je l'ai fait un peu à l'arrache comme je pensais. On verra, mais en tout cas elle est chouette, donc j'espère que je vais trouver le temps de la finir là dans les 2 jours qui viennent pour pouvoir la porter parce qu'il fait enfin bon et enfin des températures qui me permettraient de la porter. Et sinon j'ai bien avancé dans mon tricot, donc ça c'est cool. J'ai terminé, comme je vous le disais là, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, la première manche de mon gilet minaouet et je suis en train d'attaquer j'ai attaqué la deuxième, donc ça c'est cool. J'ai hâte de le terminer parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis dessus et j'ai envie de passer à autre chose, mais en tout cas c'est en bonne voie donc c'est bien. Il va falloir que je me penche sur la question des boutons après, mais voilà, je pense que j'ai tricoté à peu près un bon quart de la deuxième manche, donc heureusement l'avantage c'est que comme c'est une manche ça avance assez vite. Et voilà, et donc là ce matin je vais terminer mon petit déjeuner, je vais aller courir parce que ça pour le coup je m'y tiens, donc je vais aller courir en espérant qu'il fasse pas encore trop chaud.
Je suis un peu embêtée parce que j'attends un colis de laine pour la boutique depuis une semaine et on se court après avec le livreur et c'est très pénible parce que il n'y a pas d'horaire fixé donc voilà. Je sais pas à quelle heure il passe et j'ai pas spécialement envie de bloquer ma journée ici pour lui donc voilà, on verra. Et ce midi je vais aller pique-niquer avec mon meilleur ami. Comme il fait très très beau et qu'on a des combes autour de chez moi, on va se faire un petit pique-nique à l'ombre dans les combes. Donc ça c'est chouette. Et c'est parti n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est agréable en ce moment de relâcher un peu le rythme, de pouvoir profiter un petit peu pour voir les copains et la famille. Voilà. Donc je vous cache pas que j'attends les vacances / chômage du 26 juillet avec impatience pour pouvoir avoir enfin du temps libre. Sans avoir à jongler avec le travail en même temps. Donc voilà, et comme on compte partir en vacances un petit peu à partir de début août, voilà. Mais j'attends que tout soit finalisé pour la boutique, donc voilà. Bon, ça fait 4 minutes que je blablate, tout va bien. C'est passionnant. Je vais essayer de faire en sorte que la fin de ce vlog soit un peu plus intéressante. On va essayer. Allez, moi je finis ma récorée et je vais aller courir. Hello, je vous reprends rapidement, là j'ai en train d'essayer de finir ma robe poulette, donc j'ai fait l'ourlet, hop, voilà, je la garde volontairement longue. Et là en fait avant d'attaquer les boutonnières, je positionne des épingles pour voir comment ça tombe. Je suis pas hyper convaincue par le décolleté, donc je sais pas, là je crois que j'ai trouvé un truc qui est pas trop mal, où ça ne baille pas sur le côté. Donc voilà, donc je suis en train de positionner les épingles pour que ça tombe bien, au niveau des boutons, et que ce soit à peu près harmonieux. Et donc ensuite je vais pouvoir attaquer la suite. Je vais m'arrêter là pour les boutons, parce que vu que c'est une robe longue, il n'y a pas besoin d'en mettre jusqu'au bout, comme j'avais fait un peu pour ma robe, ma jupe Andrea. Donc voilà, mais je suis très contente du résultat, je la trouve très jolie et j'ai hâte de la terminer pour pouvoir la porter. Thank you.
Salut, on est lundi 26 juillet, il est à peu près 7 heures du matin. Je vais m'apprêter à partir pour mon tout dernier jour à la radio. Voilà, ça y est, après des années à l'attendre, ce dernier jour il est là. Ça fait bizarre, je réalise pas trop. En fait, j'ai l'impression de partir en vacances et d'y revenir un jour, sinon ce ne sera pas le cas. Mais c'est pas plus mal. Hier, j'ai fait ma toute dernière antenne. Ça m'a fait un petit quelque chose, je vous cache pas. J'ai ravalé mes larmes un peu pendant les 2 dernières heures parce que l'antenne, moi j'aimais bien ça. Et que le média radio, j'aimais ça. Donc voilà, mais je sais que j'y reviendrai peut-être un jour. Et je sais surtout que c'est pour que du bonheur après. Donc voilà. Ces derniers jours, donc j'ai fini la robe poulette que j'ai pu porter hier. C'était cool. J'ai presque fini mon gilet. Il me reste quelques rangs de côtes à faire. Donc j'ai bon espoir d'y arriver là maintenant que je vais être en vacances. Et je sais pas si je vais avoir le temps d'attaquer un autre projet en couture. J'ai pas trop d'idées pour l'instant, j'avoue. Donc on verra. Je vais me laisser porter un peu par la vague. De toute façon, avant qu'on parte en vacances, là c'est un petit peu la course. Donc voilà, on va pas se prendre la tête, on verra. Je vous avais prévenu que le mois de juillet serait moins créatif. Et ben c'est le cas. Et je compte bien profiter des vacances. Alors pas pour faire de couture. Hein. Mais au moins pour avancer un petit peu en crochet, en broderie, toutes les petites activités que j'ai pas le temps de faire le reste de l'année. Donc voilà. Bon, et ben moi je vais me dépêcher d'aller acheter des croissants pour tous mes collègues et d'aller profiter de mon dernier jour. Et je vous retrouve après. Aujourd'hui, on est le mercredi 28 juillet. C'est une date plutôt importante pour moi parce que c'est notre anniversaire de rencontre avec mon amoureux. Donc aujourd'hui, c'est nos 10 ans. Autant vous dire qu'on va essayer de marquer le coup. On n'est pas trop du genre à faire des restos romantiques ou à se faire des cadeaux, mais bon, là, quand même, 10 ans, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, c'est mon deuxième jour de vacances/slash chômage puisque j'ai arrêté la radio définitivement lundi. Voilà, c'est une grosse page qui s'est tournée pour moi après 8 ans. Je vous cache pas que c'était un petit peu d'émotion, mais beaucoup de soulagement finalement. Voilà. Donc, et du coup, là, je réalise encore pas trop parce que j'ai l'impression d'être encore en week-end ou en vacances. Mais voilà, ça va se concrétiser. J'ai récupéré les clés du local, comme je vous le disais la semaine dernière, sauf que pour l'instant, je ne peux pas faire les travaux. Donc l'idée, ça va être qu'on prenne des vacances quand j'aurai fini mes derniers rendez-vous la semaine prochaine pour la boutique. On va prendre des vacances, on va partir pour déconnecter une bonne fois pour toutes pendant au moins 15 jours en amoureux, tous les deux, avant d'attaquer les travaux et toute la suite de la création de la boutique. Parce que de toute façon, pour l'instant, j'ai pas de compte pro parce que je suis encore en train de courir après des papiers. Je ne peux pas ouvrir le compte EDF pour avoir de l'électricité. Donc sans électricité, pas de travaux. Donc repos forcé, en gros. Hier, on n'a pas fait grand-chose. J'ai mangé avec ma sœur le midi, c'était chouette. J'ai pu lui montrer le local. L'après-midi, on s'est baladé. Le soir, on avait des amis à la maison. Et aujourd'hui, c'était grasse matinée, la première depuis longtemps. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. J'ai pris mon temps, j'ai tricoté un petit peu ce matin, j'ai toujours pas fini mon gilet, j'en veux plus, il est interminable. J'ai presque fini, hein. Il me reste la deuxième manche à finir, je crois qu'il me reste, allez, on va dire, même pas 50 rangs à faire sur une emmanchure, donc c'est rien, mais j'en peux plus. Voilà. Et côté couture, là j'ai plus rien en cours, j'ai terminé ma robe poulette que j'adore porter. Je vous en reparlerai. J'ai pas adoré la coudre, mais par contre j'adore la forme. Donc je pense que je m'en referai une deuxième. Et là j'avais envie d'un projet tout bête avant les vacances et j'étais bien partie pour me refaire une robe Saint-Mandé, donc la fameuse que j'ai patronnée pour moi, dans un petit tissu qui traîne dans mon stock.
parce que je sais que ça va vite. Donc là, j'ai retrouvé le patron et c'est le genre de projet que je peux faire en 2 jours, donc ça peut être pas mal. En plus, comme ça me permet de vider un peu mon stock de tissus. Et c'est une forme que j'adore porter, donc. Mais j'aimerais bien essayer de la faire un tout petit peu plus longue cette fois, donc je vais regarder ça, si ça rentre dans le coupon que j'ai trouvé. Et voilà pour les petites nouvelles. Il faut que je m'occupe du jardin aussi, parce que, comme partout en ce moment, il a tellement plu que c'est la catastrophe. Mais en même temps, si je passe mon temps à me battre contre les mauvaises herbes, je vais y passer ma vie. Donc c'est compliqué. Et voilà, et tout à l'heure, en début d'après-midi, je retrouve ma maman et son mari pour leur faire visiter le local encore. C'est les grandes visites. Donc voilà, donc je pense qu'on va descendre en ville à pied, ça nous fera du bien. Et là, je vais aller faire un petit peu de yoga parce que j'ai le temps. Voilà, c'est un peu bizarre en fait d'avoir pas de déchéance là. C'est bizarre d'avoir beaucoup de temps et de j'ai envie de faire beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'il faut faire dans la maison. Et en même temps, j'ai envie d'en profiter pour me reposer. Donc voilà. Il reste 2 jours au mois de juillet, donc j'ai encore le temps de vous parler avant d'arrêter ce vlog. Je pensais que j'avais pas enregistré grand-chose. Hier, j'ai déchargé les vidéos sur mon ordinateur et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc finalement, pour un mois qui n'était pas si productif, c'est pas si pire. Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que ça fait presque 4 minutes que je blablate. Et je vais aller faire mon yoga, ça va me faire du bien, ça va me calmer un coup. Salut, on est le lendemain, je sais plus quel jour, jeudi 29, 30, 30, 29, peu importe. Là, je suis dans le local de la future mercerie. Je viens de le visiter avec mon papa pour qu'on fasse un petit peu l'état des lieux, des travaux à faire. Donc, bon, il n'y a pas gros travaux à part du réaménagement et du rafraîchissement. Ce matin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de jardin, ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps que je m'en étais pas occupée, donc il était temps. Là, je vais aller me poser dans un café pour tricoter toute seule, ça va me faire du bien. Et ce soir, je vois mes copines de tricot et on va se faire un petit restaurant pour fêter un petit peu tout ça, le local, les vacances, etc. Donc, c'est plutôt chouette, je suis contente. Donc voilà, et bien moi je vous laisse et je vais aller me poser en terrasse. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le dernier jour de juillet, le samedi 31 précisément, donc il est largement temps de clore ce vlog de juillet. J'espère que vous auriez passé un bon moment en le visionnant. J'ai pas du tout vu le mois passer, c'est abusé, comme beaucoup de gens j'imagine. J'espère qu'en août on aura un peu plus de soleil, c'est pas gagné. Moi je vais partir en vacances à la fin de la semaine prochaine, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, mais ce sera forcément un vlog plus court en août. Puisque, hop, je laisse passer la voiture. Puisque forcément en vacances, je n'emmène pas de machine à coudre, mais quand même un peu de tricot. Donc on va voir, je verrai ce que ça donne. Et puis à partir de fin août, dans tous les cas, il y aura des travaux à la boutique. Donc ça va être plutôt intéressant, j'espère, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous dis à très vite. Je vais essayer de monter ce vlog de juillet avant de partir en vacances pour vous le poster. Ce serait bien. Ça me donne une deadline et pour une fois, ça me permettra de le monter rapidement. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite.